bien bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très chelou avec la composition très chelou qui est ici. C'est clairement un bot, on va pas se mentir, mais j'ai bien envie d'affronter cette composition bizarre. Je suis désolé, je n'ai pas pu faire de vidéo hier, j'ai vraiment pas eu le temps. Aujourd'hui on est avec le maillot de Dijon, on est à Dijon aujourd'hui. Mais ne vous inquiétez pas, comme c'est le dernier jour de la première partie de l'événement, vous vous doutez, le maillot que je n'ai pas encore débloqué, c'est Monaco. Donc vous aurez deux vidéos ronques aujourd'hui. Il y a celle-ci, Dijon, qui sortira début de journée. Et vous aurez Monaco, fin de journée, début de soirée. Je vous le garantis. Donc, let's go les amis. Première occasion de Napoléon. Il dribble deux joueurs. Il se fait stopper en défense. C'est vraiment une composition bizarre qui laisse l'axe désespérément vide. Pierre qui récupère. Et l'arrêt de Wakabayashi Genzo avec son maillot très stylé. Pierre! Première occasion de Pierre! Et le premier but de Pierre, un tir, un but, il marque sur un but technique. Incroyable. C'est magnifique. C'est magnifique. Taki qui récupère sur la ligne de touche. Encore un autre arrêt de Genzo Wakabayashi qui ne laissera plus rentrer aucun but. Il a encaissé son premier but. Il y a deux jours, lorsqu'il joue à Metz, un but marqué par Napoléon. Il l'a mal digéré. Contre-attaque menée par Shoshunko alias Xiao Jungwang. Il a lancé son Taki qui s'est fait piquer le ballon. Yoshikawa. Il intercepte. Montée des joueurs français avec le rune 2. Que leur connaît l'attaque Tour Eiffel qui est très 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 efficace. Napoléon. Toujours lui. Il lance son canon. Et qui a percé Ken Wakashimazu. Il l'a percé. Rien ne lui résiste à Napoléon. Il a pu marquer au moins un but à chaque gardien du championnat français. Mais attention parce que la deuxième vague qui arrive annonce de très grosses équipes encore. Saint-Étienne, Rennes, Nîmes et plein d'autres. Ça annonce, de très très lourd tout ça. Premier dribble de Pierre qui se fait encore stopper. Yamamori, Shoshunko, Oda, Napoléon, Taki. Taki qui va essayer d'aller centrer. Taki qui centre. Tête d'Oda. Stoppé par Wakashimazu, bien évidemment. Oda n'est pas un joueur réputé très puissant, il a juste un bon jeu de tête. Oh,
Mauvaise relance de Wakashimazu en plein sur Shoshunko. Il tente un tir en dehors de la surface. Il a l'air de prendre de haut Wakashimazu. Et bien évidemment, il le fait comprendre en arrêtant ce tir. Shoshunko qui récupère encore. Décidément, il lui rend le ballon. On dirait qu'il le provoque en duel. Et ce duel, Shoshunko est déterminé à le relever. Deuxième tentative. Est-ce qu'il va enfin réussir à lui marquer un but? Et non. Encore un autre arrêt de Wakashimazu. Va-t-il lui rendre à nouveau le ballon de manière provocatrice? Ah non, cette fois-ci il récupère. C'est Nakayama qui récupère sur Pierre. Pierre, toujours lui. Napoléon. Il fait un boulet de canon. Encore un arrêt de Wakashimazu. Ouh, Hiraoka qui était sur la trajectoire, mais qui n'a pas réussi. Oda, le tacle! Ah, c'est trop court, c'est trop court. Récupération de Nishio. Shoshunko, Pierre, Napoléon. Shoshunko, toujours lui. Il va prendre sa revanche sur Wakashimazu. Il est dans la surface, il shoot! Wakashimazu qui refait un magnifique arrêt. Attention, est-ce que cette fois-ci ça va être le but? On sent que Wakashimazu commence à fatiguer. Tir de Shoshunko. Shoshunko qui marque. Shoshunko qui marque. C'est magnifique. Il a répondu au duel de Wakashimazu, qu'il a provoqué deux fois de suite, en lui mettant un but, le troisième de son équipe, juste avant la fin de la mi-temps. Mais c'est pas fini. Pierre qui fait une percée. Ah non, mais l'arbitre siffle la fin de la première mi-temps. Et c'est parti. Coup d'envoi pour les visiteurs. Taki qui tacle, qui récupère sur Pierre. Et ça repart pour une formation offensive. Oh. Récupération de Shoshunko. Pierre, Napoléon, Oda. Est-ce que ça va repartir en centre peut-être? Et donc Oda qui se fait stopper. Hiraoka. Oda. Et le contre. Nous n'avons plus vu en tout cas Shoshunko exécuter son fameux contre-coup canon rapide. Hando Shusoko Jinho. On n'a plus vu. Oh, Napoléon, il entre dans la surface, c'est très dangereux. Il arme son canon vendémiaire. On sait bien qu'une fois qu'il est lancé, il y a but. Est-ce que Wakashimazu se fera foire deux fois? Est-ce qu'il va faire un arrêt? Il fait un arrêt. Wakashimazu ne s'est pas laissé avoir par le canon de Napoléon. Il a su arrêter ce tir. Oda qui est en duel avec Rizzo. Attention, ça va finir comment? Oh, j'ai perdu mon duel face à un bot. OMG. Ah non, mais ma manette, elle s'est coupée en fait. Ah, c'est bon, elle va se rallumer. Quel dommage. Offensive menée par Napoléon. Pierre. Ça repart en 1-2. Pierre, toujours lui. Il efface un joueur. Il se fait stopper. Yoshikawa qui récupère. Qui lance en profondeur. Oda. Oda qui joue avec Napoléon. Ils enclenchent ensemble la zone V. Et c'est parti. Nouvelle 1-2 du duo français. Et c'est parti, Pierre en plein dans la surface qui va défier Wakashimazu. Est-ce que ça va rentrer? Et Wakashimazu qui vient d'arrêter deux tirs V2, qui vient d'arrêter le tir de Pierre et de Napoléon. Il est chaud, il est chaud. Pierre qui tente un tir V1, il a l'air de le sous-estimer un petit peu. Et encore un arrêt de Wakashimazu. Taki, Taki, est-ce qu'il peut aller à la récupération? Taki qui récupère. Il a une opportunité de marquer son premier but là. Il tire. Il ne faut pas sous-estimer. Ah mais non, mais c'est Wakashimazu qui refait en arrêt. Mais il ne faut pas sous-estimer Taki, l'attaquant autrefois formé à la Shutetsu et puis à la Nankatsu.
Oh, pourquoi est-ce qu'ils adoptent un jeu plus défensif? Ils font la passe au gardien. Wakabayashi sort de ses cages. Mais qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait une espadasse. Il nous fait une espadasse lors de la Coupe du Monde World Youth. Wakabayashi qui efface un joueur. Il efface Pierre comme deuxième joueur. Il redribble. Oh, il se fait stopper. Catastrophe. Le but... Oh, c'est une catastrophe. Le but déjeuner est sans défense. Récupération de Pierre. Toujours Wakabayashi. Il est face à un joueur. Il est face à un autre joueur. Il est presque face au cage. Tiens bon, Genzo. Il est devant Wakashimazu. Et il marque. C'est incroyable. Wakabayashi qui marque. Un autre but. Je pense que c'est son deuxième de la saison. C'est magnifique, c'est incroyable. Quel grand gardien à la fois défensif qui n'a encaissé qu'un seul but sur ce championnat. Et aussi un gardien offensif qui peut marquer des buts. Dribble de Pierre le long de la ligne de touche. Il arme son tir. Nouvelle tentative de Pierre. Est-ce qu'il va y avoir but? Non! Rizzo qui a coupé la trajectoire du tir, qui avait compris l'effet de rotation de Pierre. Attention, nouvelle offensive dangereuse. Taki qui tente sa chance. Et c'est Wakashimazu encore une fois qui l'arrête. Il aura fait de nombreux arrêts quand même. Même s'il a encaissé 4 buts, on ne peut pas complètement nier la prestation de Wakashimazu. Napoléon qui récupère. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi revient-il en arrière? Il est quasiment au milieu de terrain. Il tente sa chance. Serait-il en train de prendre de haut Wakashimazu? C'est incroyable. Et Wakashimazu qui l'arrête. Et bien sûr, il ne faut pas le sous-estimer. Napoléon encore. Il recule. Que fait-il? Il est quasiment encore à la moitié de terrain qu'il retente sa chance. Décidément, il veut marquer de loin à Wakashimazu. Il a l'air de prendre un grand plaisir dans ce match. Et c'est une nouvelle tentative pour Taki. Est-ce qu'il va le marquer? Non, encore un autre arrêt. Est-ce que... Et on sent que Wakashimazu est fatigué. Est-ce qu'il va encore laisser le ballon à Genzo? C'est une bonne question. Oda. Est-ce que Genzo va encore sortir de ses cages? Il semblerait que oui! Contrôle de Wakabayashi qui ressort de ses cages. Décidément, c'est un gardien extrêmement confiant dans la qualité de ses dribbles pour oser laisser son goal sans défense. Il efface tout le terrain. Oh, Bergerus le stop! Bergerus le stop! Attention, il y a un nouveau danger! Mais non, c'est stoppé par Yamamori. Pierre, Wakabayashi encore. Il reprend, il veut marquer un deuxième but. Il veut être le premier gardien à inscrire 2 buts en un seul match et 3 buts sur la saison. Wakabayashi, toujours lui. Toujours lui. Il est face à Ken encore une fois, il tire. Et c'est le doublé de Genzo Wakabayashi. C'est incroyable, 2 buts d'un gardien en un seul match. C'est incroyable. Et le match va toucher à sa fin, nous entrons déjà dans les arrêts de jeu. Taki qui récupère le ballon. Napoléon une fois de plus. Oda. Pierre. Qui se fait restopper. Et le match va arriver à son terme. Récupération de Taki, c'est pas encore fini. Et voilà, si c'est fini, c'est terminé. Victoire écrasante de Dijon par 5 buts à 0. Wakashimazu qui aura fait une plutôt belle prestation malgré tout. 19 tirs et seulement 5 buts concédés. Il aura fait 14 arrêts quand même. Soulignons cette prestation. Mais surtout, le grand gardien, Genzo Wakabayashi, qui aura marqué 2 buts. Et nous, les amis, on se retrouve pour le prochain match, fin de cette journée, avec l'AS Monaco. A tout à l'heure.